Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur City Skyline. Dans le dernier épisode, on a bossé sur nos routes hein, principalement, donc c'est vrai que c'était vraiment tout bouché partout. Et c'est vrai que pour l'instant, je suis plutôt content. Hein. Donc j'ai dû bosser un petit peu en off, hein, donc c'était des petits changements quoi. Là par exemple, j'ai mis un giratoire à 3 voies. Ici, j'ai doublé la voie par exemple ici, parce qu'il y avait un gros flux évidemment qui allait par ici pour aller de l'autre côté de notre ville. J'ai ajouté une sortie ici aussi pour notre premier accès à la ville et au final ça résorbe bien, bien le tout en fait. Hein. Donc c'était vraiment quasiment obligatoire hein, je pense de faire toutes ces améliorations et c'est quelque chose que je vous conseille hein, de régler les problèmes de trafic petit à petit quoi. Parce que sinon là j'aurais commencé ma zone là-bas, bah, laisse tomber quoi. Hein. Là au moins on a à nouveau un réseau routier qui est plus ou moins beau. D'ailleurs on avait un incendie là. Donc là on est plutôt pas mal. Donc on est prêt pour commencer notre nouvelle zone ici. Hein. Donc dans l'épisode on a posé donc justement les sorties d'autoroute. D'ailleurs on a tout modifié hein, derrière le coin, si vous en souvenez bien. Et on a fait aussi donc un tunnel autoroutier qui traverse directement pour rejoindre ici. Donc ça fait un peu comme un périph' en fait. Hein. En fait si c'est un périph', hein, on pourrait dire que c'est un périph' quoi. Et bah, ça fait bien le taf, hein, franchement c'est cool. On va lisser un petit peu histoire ça sera un peu plus joli. C'est vrai que là du coup c'est pas l'idéal non plus. Hein. Ah non, la pub. Vous le sentez la pub aussi ou pas? Ok, là on n'est pas trop dégueu. Tu me lisses le tout, fraté. Voilà. Après en commentaire, n'hésitez pas à me dire un peu s'il y a des trucs que vous aimeriez voir ou quoi. Hein. C'est vrai qu'on peut ajouter des industries. S'il y a des trucs qui vous intéresseraient particulièrement. C'est vrai que là pour l'instant on a la pêche et on a un peu tout ce qui est industrie forestière ici. Donc à voir hein, franchement est-ce qu'on va faire un peu plus ou pas. C'est vrai que pour l'instant là notre zone est quand même 4 étoiles. Hein. Après c'est vrai qu'on produit pas beaucoup hein, comme vous pouvez le voir. Pas beaucoup de bénéfices et tout ça. C'est vrai que si on fait du produit pétrolier on pourra vraiment se faire masse thune quoi. Enfin. Dans la zone aujourd'hui, on va acheter des routes. Mais bon, on va faire ça en timelapse hein, évidemment. On va vraiment développer ce coin-ci. Donc on a deux sorties. Ça va largement suffire. Idéalement, on va relier aussi depuis ici. Donc vous allez voir ça dans le timelapse hein, de toute façon. Mais donc là, on continuerait la grande route. On passerait ici en pont pour revenir ici. Peut-être ici. Est-ce que ça serait utile? Peut-être. Peut-être. Peut-être qu'on fera un pont routier aussi là. À voir quoi. Franchement, je suis pas hyper convaincu. Peut-être que c'est pas nécessaire. Enfin. On va partir de suite pour le timelapse. Hein. Via. Vieni qui fammi compagnia, finché non torniamo.
voglio soltanto averti mia. Prendi la mia anima e il mio cuore. Andiamo via a mezzanotte. Senti come fa questa musica, oh no. Se voglio ballare con te tutta la notte, solo ballare, oh oh. E tu non puoi dirmi che vuoi andar via. Vieni qui, fammi compagnia, che non torniamo. E tu voglio soltanto averti mia. Prendi la mia anima e il mio cuore. Andiamo via a mezzanotte. Oh, 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 oh,
voilà, on se retrouve après ce timelapse. Hein. Franchement, c'est plutôt pas mal hein, la zone. Donc là, on a surtout du commercial, pas mal d'habitations, un peu d'industriel avec des bureaux ici hein, d'ailleurs. Donc là, c'est une zone informatique que j'ai fait. Donc ouais, je suis plutôt content de cette zone, hein, franchement. Ça donne vraiment une petite zone de la défense, un peu, si on veut bien, quoi. Donc c'est pas mal, quoi. Franchement, c'est stylé. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, j'ai enlevé un peu d'industrie, là. Je vais ajouter un peu plus de bureaux, je pense. Voilà, ça va pas faire une grosse différence, hein, bien sûr. Mais au moins, notre zone de bureaux sera là. Hein. C'est vrai qu'en plus, il y a pas mal d'habitations. Je préfère que ce soit des bureaux ici plutôt que de l'industrie lourde comme ça, quoi. Donc ouais, c'est plutôt pas mal franchement la zone. J'ai ajouté des murs anti-bruit au bord de l'autoroute, puis ça se construit gentiment. La route ici est vraiment très utile. Hein. Après j'ai mis des pistes cyclables tout le long. J'ai mis aussi la politique pour renforcement des cyclistes et tout ça. Donc ouais, c'est plutôt très utile. Et je ne regrette pas d'avoir fait toute une zone, parce que là partout j'ai mis des pistes cyclables, même les petites routes et tout. Donc je suis plutôt content du résultat. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Et c'est vrai que pour résorber le trafic aussi, une des choses, c'était aussi pas mal de jouer avec les politiques, justement. En ajoutant donc peut-être trafic intramuros, par exemple, là. Dans le centre-ville, là, j'ai enlevé, j'ai plus que intramuros, quoi. Tous ceux qui vont pas là, quoi, bah, ils passent pas du tout par ici, maintenant. Et ça fait sens, vu que j'ai des autoroutes un peu partout, quoi. C'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de ferroviaire, notamment de marchandises. Et c'est vrai que le jeu gère pas très bien ça, quoi. Je préfère éviter dans cette partie. A voir peut-être plus tard, je ferai peut-être quelques lignes quand même, mais je pense qu'on va éviter tout ce qui est ferroviaire. Enfin, on va se laisser avec une petite vue, puis nous, dans le prochain épisode, on reviendra un peu dans le secteur afin d'étoffer tout ça, quoi. Enfin, on va se quitter avec la petite vue ici, et puis moi, je vous remercie, et je vous dis à bientôt!